Allô? C'est bon. Ah là là, évidemment, OBS a un peu de mal à répondre. Donc, salut tout le monde, c'est Zelda Rétro. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ce Let's Discover sur Legend of the Breath of the Wild. Et souvenez-vous, la dernière fois, nous avions continué à explorer le monde d'Hyrule, nous avons fait quelques quêtes annexes dans le village des limites, fait d'autres petits bazars, récupéré des noix Kurogu, trouver une grande fée, et on s'est dirigé doucement, et sans le vouloir en plus, vers l'Anel. Et apparemment des Zoras cherchaient un Illien, donc on va aller plus voir les Zoras, mais on va surtout se faire un sanctuaire qui est assez proche d'ici, qui est juste là. Donc c'est le programme d'aujourd'hui, on commence par un sanctuaire. Sanctuaire qui est marqué, donc voilà, petite balise jaune qui pourra se casser. J'aimerais bien faire les sanctuaires que j'avais vus au sud aussi avant de continuer la partie de l'Anel ici. De l'Anel, ouais. Un Illien! Tout le monde cherche un Illien. Voilà. Il se passe des choses étranges. Oh, c'est juste là. Je voulais pas faire ça. Voilà. C'est toi? Bon, si jamais il y a des photos de trucs à prendre, voilà, gros Radimax, allez hop. Je prends les photos. Même si j'ai l'impression de revoir et revoir des trucs, mais bon, il y a tellement de trucs. Allez, nouveau sanctuaire. On va commencer par ça. Souvenez-vous, la dernière fois, nous avions fait un sanctuaire que nous n'avons pas pu terminer. Donc, il faut rattraper le coup en réussissant un sanctuaire. Donc, c'est parti. Et qu'est-ce que c'est que ce sanctuaire? C'est épreuve basique de force. Oh oui, génial. J'espère que j'ai un bon équipement. Ça devrait aller. J'y crois à mort. C'est parti. Ça va aller très vite, je crois. Donc c'est un ennemi à affronter, hein, c'est typiquement ça. Ah, 375. Calme-toi bien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il va faire un truc de ouf, je le sens. Préparez-vous. Et Link finit toujours un combo en cours. Il va faire quoi maintenant? Donc ça, l'autre me l'avait déjà fait aussi. Tiens, d'ailleurs, j'avoue en fait que... Voilà. Voilà, ajouté. N'est-ce pas? Waouh! Calme-toi bien. J'ai bientôt cassé mon épée. Tiens, saloperie. T'inquiète, j'ai d'autres épées. Si jamais. Au pire, j'ai ça. Je pense que je vais m'en servir très vite. Parce que cette hallebarde, si jamais je suis en difficulté, je peux la sortir vite fait. J'espère qu'elle ne se cassera pas vite aussi. Parce que j'y tiens. Je l'aime bien cette hallebarde. Aïe, putain! Heureusement que je me protège, hein. Il
Il faudrait bien que je l'attaque un jour, mais un bouclier quoi. Oh putain, saloperie, il m'a quand même eu comme ça quoi. Tiens, saloperie. Ça va, il m'a pas. Vous voyez comme quoi finalement la défense ça sert. Hein. Des fois. Rouage antique, je prends. Je prends tout ça. Par contre, ça, ça m'intéresse. Bouclier de gardien 1.0. Alors que c'était un gardien 2.0, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça c'est le glaive de gardien 1.0. Je prends aussi. 10, 18, parfait. Parfait, parfait. Bien, ça m'en fait des armes, ça m'en fait 20. Oh, on a des armes assez... niveau puissance, on y a. On en a, on en a. C'est bien. Bon, ça va, donc ce sanctuaire, c'était pas trop pire. Arc de chevalier, parfait. Mais j'ai trop d'arc. J'ai trop d'arc, c'est pas un souci, ça, on va vite te trouver de la place. Ça, j'en ai pas besoin, par exemple. Zora et tout, on a tous des trucs. Hein. Donc Starboko, à tous les coups, je l'ai déjà pris en photo, c'est ça? Ouais, j'ai déjà pris en photo. Bah, du coup, ça veut dire en fait que tous mes autres arcs... Je peux tout tirer en photo, je crois. Donc l'arc de voyageur, déjà. Donc... Je voudrais l'arc de voyageur, si possible. Bon. Arc de la dévotion, je l'ai aussi. Et l'arc Zora. Voilà, comme ça j'ajoute. J'ajoute toutes ces armes. Je pense qu'elles sont déjà dans... Que l'autre était déjà dans l'encyclopédie. On va voir au niveau des armes. Arc de voyageur. Arc de la dévotion. Arc Zora. Arc Boko. Et l'arc de soldat, par contre, il était là. Je l'avais. Je l'avais, mais je l'ai pas vu. Peut-être qu'il est plus loin. Ça me fera toujours rire, ces photos. Hein. Ne vous inquiétez pas. Non, parce que je la vois pas. Ah, mais il a un de ça. D'accord, c'est Link en fait. Oh mon dieu. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est bon tout ça pour trouver lui. Voilà, art de chevalier. Ah, particulièrement solide. Parfait ça. Et il a 26. Putain, c'est pas de la merde. Hein. Et ça, je le prends. Mais je l'utiliserai plus tard, si jamais. Donc ça, je pense qu'on voit la mandarde de soldat. Ça va, je suis bien avec. Ça devrait faire son affaire. Allez, hop, c'est parti. Sinon, l'arc à 5, c'est quoi l'arc de voyageur? D'accord. Ouais, celui-là, je pourrais le jeter aussi, mais bon. On a fait un sanctuaire, ça, c'est bien. 10 minutes hein, pour un sanctuaire, dis donc. Affronter un ennemi robuste. Voilà, déjà 3 armes du triomphe, c'est parfait. Je vais bientôt pouvoir augmenter mes cœurs maximum. Je crois que je vais devoir les augmenter un moment. Parce que j'avoue que voilà quoi. C'est pas que je fais pas le jeu en mode 3 cœurs. Hein. Voilà, ça c'est clair. J'aimerais bien être plus à l'aise au niveau de la vie aussi. Et arrêter de crever en un ou deux coups. Donc là aussi, j'avais un truc. Alors on va, du coup, se téléporter à la tour et vraiment y aller en, ben, en parachute, finalement, en paravoile. Ce sera plus simple. Peut-être qu'avant de continuer la région de l'Anel, on irait vers les autres sanctuaires aussi.
ce que j'ai vu là. Parce que bon, celui de Lille, il va être chaud à atteindre. Mais il y en a d'autres comme ça qui peut-être pourraient faire l'affaire. L'autre, enfin l'autre qui était à côté là dans les montagnes. Et peut-être que si je vais à cette montagne là, ça va aller. Donc c'est là-bas. Et voilà, on le voit, il est là-bas sur la petite île. Maintenant, je sais pas si je vais pouvoir y aller comme ça, mais bon, faut toujours essayer. Là-bas, il y a une tour également. Vu les directions que je prends, ça a l'air d'être les régions ici ou là. Du coup, il y a aussi ce gros volcan là, depuis le début, qui me nargue limite. Ça, je le fais toujours au cas où. Peut-être que j'étais con de le faire, mais voilà, je vais atterrir là. Voilà, parfait. Voilà. 20h35. Voyons voir la lune. Est-ce qu'elle est de sang? Parce que la lune de sang, mine de rien, je l'ai pas eu souvent, hein. Je l'ai eu qu'une seule fois et j'étais dans un village et. Bon, c'est pas que j'aimerais voir à quoi elle ressemble, mais. Mais voilà quoi. D'accord. Sérieusement? Putain, à chaque fois que je vois un truc, il s'enfuit. C'est quoi ça? Champignol, j'ai déjà. Alors toi, tu dégages. La massue à pointe, je m'en fous. Ah. Champi vigueur, allez hop, je prends. Jauge endurance, parfait. Champi volt, du coup, lui, je l'avais déjà. Ah non. Écoutez, au moins, il s'ajoute. C'est quoi ça? C'est un. Ouh. Ouais, c'est que des les alphos. Parfait. Bon, ça va aller. Je pense qu'on peut se les faire en mode comme ça. Il n'y a pas de problème. On en a affronté des bien pires que ça. Maintenant. Voilà, vous donnez toujours ça comme ça fait toujours plaisir. Tiens, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la carte de les alphos. Je la prends, mais cette arme qui traîne par terre, je vais là. Je. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu es désarmé, mon petit. Ça va, les alphos sont très sympas. Honnêtement, voilà quoi. Il n'y a pas de problème avec eux. Bon, épée de voyageur, je prends en photo. Ça, je sais pas ce que c'est. Espadon rouillé, là, je prends. Ça va être puissant, mais ça va vite casser. Ouais. Donc le sanctuaire est où? Oh, salut, toi. Allez hop, c'est parti. Go! Est-ce que je peux diriger cette voile? Non. Y a pas de vent en fait. Ça fait chier. La rive voisine a l'air plus proche, hein. L'étang de Xélo là-bas. Est-ce qu'il y a moyen de la rejoindre? Non, je suis dans la mer, je suis sur une île isolée comme ça. Île Melka. Tiens donc, Melka. C'est dans Fantôme en glace, ça, je crois. Si je dis pas de bêtises. Seulement, j'avais un point un peu plus en hauteur pour atteindre ce sanctuaire qui me nargue. Donc, de là-bas, je devrais atteindre la rive. Là-bas, il y a un sanctuaire que j'ai déjà fait.
pas. C'est quoi cette marque bleue là-bas? C'est un sanctuaire que j'ai déjà fait. Mais c'est des trucs de... Je ne sais pas. Ça a l'air étrange. Oh, il y a des beaux gobelins là-bas. On va leur faire une surprise. Ruine du camp des Landes. Ah oui, il y a des monstres. Oui, il y a du monstre. Et alors encore d'avoir de la foudre. Finalement, en fait, à Lanelle, il y a souvent de la foudre, quoi. Ouais, donc, tu sais quoi? Voilà, déjà, première chose, hein. Ben, non, 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 tu diras rien à personne. Aïe, putain, saloperie. Oh, mais c'est pas possible, vas-tu enfin porter un coup? Et puis à pointe, parfait. Salut! Voilà, c'est comme s'ils m'avaient jamais vu. Bon, maintenant ils sont. Voilà, ils sont intelligents, hein. Faut pas. C'est pas d'embrouiller, j'ai, mais. Voilà. Vas-y, tu trouves. Ouais, c'est ça quoi. Tu trouves des trucs comme ça. Il y a des monstres comme ça qui sont là. Pli rouillé, voilà. Tu vas aller vers un sanctuaire et puis il y a un campement de monstres, donc voilà quoi. Non, Maxime. Ah merde! Ah, il faut que je les éteins. Que je les. Supprime quand même quoi, ces conneries. Ah, merci de me donner pile ce que je voulais. Donc il y en a des dans le temple. Hein. Ah, mais c'est à pointe, je l'ai. Ah ouais, attendez. Parce que ouais, mais ça va être très chiant par contre. Donc ça, c'est des souvenirs. Du coup, tu vas me dire que je vais être obligé de faire ça. Voilà. 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 Bon, ça va vite, mais j'aurais bien aimé faire une sélection multiple, bordel de merde. C'est vrai qu'on te demande de prendre en photo tout ce que tu vois, quoi. Déjà que l'aventure était assez grande comme ça, je trouve. Putain. On va y arriver. Regardez, on se retrouve face à ce qu'on a fait aujourd'hui. Attendez, va pas me dire que tu peux faire ça quand même. Ah non, non, c'est bon. Tu dois vraiment rester ça. Tu vois, tu peux pas faire. Voilà quoi. Et voilà. Ça, ouais, je peux vraiment la prendre quoi. C'était vraiment pas dedans quoi. C'était pas dans l'album. C'était pas dans. Oh merde, je pensais les surprendre justement, ces cons. Bon, ils vont se tuer eux-mêmes, vous en faites pas. Il y en a un qui a l'air d'avoir des trucs cheatés. Des flèches électriques ou un truc comme ça. J'avais même pas encore d'herbe d'Hyrule là. Bon, les photos sont passionnantes, hein, mais elles sont magnifiques, mais tant que c'est dans mon encyclopédie, je suis content. Voilà. Flèche en bois. C'est comme Oh ouais putain tu peux carrément les prendre des flèches électriques. Ah mais ça compte carrément comme dans ton truc quoi. Arc à pointe carrément. Il y a l'arc normal, il y a l'arc à pointe, putain on n'a pas fini.
Tellement pas fini. Des flèches électriques, parfait. Du coup, les flèches en bois, bah voilà quoi. Bah, c'est une flèche, hein, c'est. Bien. Ouais, beaucoup bah normal, c'est bon, depuis le temps je l'ai. Salut! Non! Saloperie. Quoique, les autres sont peut-être flemmards. Vous êtes flemmards, c'est ça? Et vous gardiez quoi depuis tout ce temps? Une hallebarde de chevalier, j'avoue, j'aime bien. Ah, par contre, j'ai pas assez de place. Ah, comme quoi. Trouve vite à court. Hein. Bon. Bon, ça, tu te casses. Hein. C'est pas compliqué. Allez, la hallebarde de chevalier. Lance de soldat. Est-ce que j'en ai? Non. Voilà. On peut peut-être faire un petit vidage des trucs, tant qu'on y est. Les puits à pointe, comment j'ai réussi à prendre ça? Ça, je pense qu'on avait tout pris en photo, hein. Mais ça, je crois pas. Bon, les flancs rouillés, si. Les puits à pointe, non. Voilà, vous reconnaissez, hein, les puits à pointe, évidemment, c'est magnifique. Et vous reconnaissez très bien la hallebarde de chevalier sur cette image. C'est évident que c'en est une. Quoi, en termes d'élimination, voilà, donne-moi ça, c'est mieux. J'ai tué tous les monstres. Bah, faut croire qu'ils gardaient rien d'important. C'était juste dans les ruines comme ça. Maintenant, on est proche du sanctuaire. Enfin! Vous là-bas, quoi? Qui? Ici, par ici. Ah, c'est encore un qui cherche un Ilien. Oui. Voilà. Ouais, vas-y. Et il va juste dire, voilà, il est au pont Indigo, l'autre, et voilà, quoi. Au nord de la tour. Hein. Ah, il va peut-être en raconter un peu plus. Ok. Ce qui est bizarre par contre, c'est que le jeu ne m'ajoute pas de quête, quoi. Pourtant, c'est une quête, quoi, le truc. Mais bon. Bon, c'est bon, je vais y arriver. J'arrive au sommet, j'espère qu'il y a un trésor à la clé. Sinon, je risque d'être déçu. Vous voyez, si j'avais pas amélioré l'endurance, je crois pas que j'y serais arrivé, hein, là aussi. Comme quoi, ça vaut vraiment la peine. Voilà, parfait. Et oui, j'avais un truc. 5 flèches de glace, parfait. Tiens, je pense qu'on va faire un accueil à l'ennemi qui est là. Merde, c'est pas un. Ah si! Oh, je l'ai tué! Si, c'est un les Alphos, ça va. C'est quoi Stark? Ah, je l'ai déjà, c'est l'arc à pointe beaucoup. Ouais, mais bon, il sert à rien. En termes de puissance, voilà quoi. C'est pas la peine de regarder pour une fois. Je vais pas. Oh putain, c'est des trucs que j'ai déjà quoi. À chaque fois que je me dis pour une fois, je vais pas y aller, je vais pas voir ce que c'est. Là, je me fail, quoi. Alors là, par contre, j'aimerais bien y aller, mais...
Ah, il se camoufle en fait, le salaud. Attends, tu vas voir. Là, tu te camoufles tout le temps. Saloperie. Mais déjà. Ouais, à force, je vais tomber sur le truc que j'ai déjà. Mais où est l'entrée de sanctuaire? Bon, sinon, comment contrer ces ronces de malheur? On me l'a expliqué. Hein. Rassurez-vous. Jusque. Waouh! Jusque voilà, regardez. Et voilà, toutes les ronces s'enflamment. Oui, j'ai dû le comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre, mais je l'ai enfin compris. Et voilà, et là c'est comme si, bon, c'est un peu chaud, mais c'est pas grave, hein. Shemolata. Et voilà, tu sais. Allez, vas-y. Donne-moi ton sanctuaire. J'ai déjà fait 11 sanctuaires. Hein. Donc c'est pas beaucoup. Un temps pour la lumière. Ah ouais, de la lumière. C'était tout simple. Ah. Par contre, moi et mes perspectives, ça fait 10 000, donc. Bien joué, tout juste la hauteur qui. Ah non, c'est devant. Entre deux. Écoutez, c'est encore mieux. Putain, pile entre deux, quoi. Mes perspectives ont toujours été légendaires. À un point. Voilà. Ça va partir l'eau, non? Ça va partir l'eau? Ah, ça flotte, ça ne coule pas. Ah, la fin est juste là en plus. Un temps pour la lumière. Hein. Oh, ça défiche pas du tout l'eau. Ça défiche pas du tout l'eau. Ah bah aussi l'eau coule, hein. Ah, je peux pas geler plus d'un truc. Ah d'accord, il faut le temps que le pouvoir se recharge. Sauf qu'avec le contraste de. Il faudrait désactiver cette eau. Problème, j'ignore totalement comment faire. Est-ce que l'eau va se désactiver au bout d'un moment ou bien.
Parce que tu peux figer ces trucs, hein, mais ça a l'air de servir à rien. Bien. Qu'est-ce que ça? Putain, ce seau et cette et Link qui a des savons quoi à la place des pieds qui tombent pour un rien. Voilà. Ah. Trouver. Trouver l'interrupteur déjà. Ça c'est bien. Ça réactive. Bien. Bon, je crois que j'ai compris. Ou pas. Est-ce qu'on peut détraquer le truc comme ça? Ça ne coule plus après, c'est vraiment ça quoi. Attends. Ouais, mais ça c'est le phénomène inverse du coup. Ouais, ça fait comme ça quoi. Il y a plusieurs trucs, putain, c'est vraiment des trucs intelligents. Mine de rien. Ça n'en a pas l'air, mais putain de merde. Qu'est-ce que c'est profond? Putain, merde, j'étais presque. En fait, il y a plusieurs façons de faire, j'ai l'impression. Parce que je me disais ça va pas marcher. Ah bah, vas-y, mon œil, quoi que ça a marché. C'est bizarre, t'as tellement d'interactions possibles en fait avec tout. Et dans le même temps, quoi, ça n'a tellement aucun sens. Dans le même temps, quoi, t'as tellement une seule solution, en fait, c'est peut-être des possibilités, ça te laisse penser en fait. Et là, c'est quand le laser il touche le truc en fait à chaque fois que ça fait ça. Ouais, c'est quand le laser est touché que ça active le truc vraiment. Please, désactive-moi le truc maintenant. Oui. Parfait. Mais à tous les coups, c'est un. Ah, je m'en doutais. Donc, c'est pas grave, on fait ça. Voilà. Mais ça, je l'ai compris, t'inquiète, hein. Merci. Ça, c'est dans les Zelda, les cutscenes. Ça, par contre, tu vois, on reconnaît que c'est toujours Zelda, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, là, tu peux aller dans l'eau si tu veux, mais bon. Ah, ouais, là, je dois remettre l'eau si je veux. Le truc comme je veux, quoi. Est-ce que je pourrais pas atteindre? Non, je peux pas l'atteindre, ça m'étonnerait. Ah, ça, c'est pour le coffre. Tu dois faire une troisième fois le truc, en fait. Sachant que si tu remets l'eau, du coup, le truc se désactive, on est bien d'accord. Je vais quand même regarder parce que j'aime bien perdre mon temps, vous le savez. Non, 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 non. T'es fou? Ouais, ça fait bien ça. Et du coup, ta porte, elle s'est désactivée à tous les coups.
Ouais, c'est ça, la porte est désactivée, quoi, après. J'avoue, une fois de plus, le coffre, je vois pas comment tu fais pour le choper, hein. Là, voilà, ça flotte, mais... Mais après, comment tu fais pour... Tu peux y aller là-bas à pied, mais... Ce sera terriblement chiant. Non, non, pas comme ça. Comme ça. Ouais, bah écoutez, on va finir au sanctuaire, c'est pas très grave, hein. Ça fait déjà 35 minutes qu'on a commencé, donc oui, j'avoue. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut savoir arrêter les bonnes choses, comme on dit. J'ai toujours cryonise, voilà, si je veux faire des trucs là, mais ouais, ça passe pas à travers, mais parce que j'ai compris que c'était ça, mais voilà quoi, il y a rien qui va transpercer là-bas, je crois, il y a rien. Bon, tant pis, écoutez, je suis pas assez intelligent pour résoudre ces énigmes là pour le coffre. Et du coup, je pourrais avoir mon cœur supplémentaire si je vais voir au temple du temps maintenant. Parfait, ça. J'avoue que j'aimerais enfin l'avoir. Allez, voilà, chargement. Allez, chargement, courage! Et voilà, et les ronces sont revenues, hein, évidemment. Donc voilà, un sanctuaire de fées au moins. Lui, par contre, bah, je l'ai pas réussi. J'ai rien compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça marche. Il y a des boules, il y a un truc à mettre, mais bon, mes marques sont là. Donc, je devrais partir de la tour, peut-être. On va partir de la tour et on va voir ce qu'on peut faire. Tour des limites. Tour des limites. Je viens de remarquer le jeu de mots. Alors, ouais, il en a fallu du temps. Vous voyez, le sanctuaire, il est tout là-bas. On le voit. Bon, bah, il reste plus qu'à y aller, hein. Escalader des montagnes, faire des trucs comme ça, peut-être aller un peu vers le sud et voir. Waouh, ça a l'air énorme. Peut-être que je pourrais aller voir découvrir la tour qu'il y a là-bas, carrément. Mais je la vois pas. Donc c'est parti! Ma jauge endurance c'est bon, maintenant je vais m'attaquer à mes cœurs un peu, je crois. Comme amélioration. Puis au pire, si je réussis pas les sanctuaires, j'ai toujours leur point. Le point téléporteur, si jamais je vais y retourner, j'avoue. Donc cette montagne, je vais pouvoir la monter, je pense, vu mon endurance, ça devrait pas être impossible, hein. Vite! J'ai trouvé une aigrette-aile bleue. Je la chassais. Oh, regardez. Aigrette-aile rose. Paf! Viande de volaille. Je peux? Ça m'étonnerait. Pourquoi j'ai sorti mes armes? Je l'ignore. Voilà. Wow.
Tu es crevé, Link. 18 h, j'avoue, il va bientôt faire nuit. J'espère qu'on va pas se taper une lune de sang. La lune de sang, vous y croyez encore? Buffet des marais, j'aime ça. Et pour une fois, il est bien cadré. Bon, il est où mon sanctuaire? Oh, ça c'est le village des limites. Hein. Donc le sanctuaire était là-bas. Il est tout là-bas. Ne te dis rien. Greta et le bleu, tu connais ça? Bah oui. Les montagnes. On va longer les montagnes à la recherche de choses. De machin. Ah, par contre, s'il cache des. Oh! Qu'est-ce qui lui apparaissait? Bonjour! Qu'est-ce qu'il faut y faire à cet endroit? De perche d'Hyrule. Prends la perche d'Hyrule. Bouh! Saloperie! Qu'est-ce qu'il y a au milieu de ce cercle de. Et voilà, je les ai eus. Il n'y a rien au milieu de ce cercle de nénuphars. C'est très étrange en tout cas. Merde, j'ai pas tué en un coup. Dommage. Ouais, tu vas mourir, de toute façon, si tu continues à faire nimp, tu vas mourir, hein, je te le dis. Waouh! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Tu as disparu! Il est mort! Il est mort par le D-pop! Bon, ça va les flèches ou bien je. 30! Bien joué! 29! Ah non, c'est bon. Ouais, région inconnue en tout cas. Mais where is the tour? Where is the tower of this region? Il y a l'air d'avoir des demeures et tout ce que tu veux, en tout cas là-dedans. Je suis au sommet de la montagne. Mais ça ne servait à rien. En même temps, tu me diras, cette région a l'air tellement vaste que. Voilà quoi, où serait la tour, putain, là-dedans? Où serait la tour, hein? Bon, la lune de sang, non, non, j'y crois plus. J'y crois plus, j'y crois plus. Sans suffire de regarder le ciel pour voir qu'il n'y en aura pas. Ça sera l'occasion de me venger, peut-être, pour le coup. Jolie tête. Ta saloperie de. Ah non! Non, non, je l'ai dit pour. Non, non, mais ça n'existe pas. Non, c'est juste le pi. C'est bon, c'est juste le piano qui travaille, c'est. C'est juste le piano qui travaille, c'est juste le piano qui travaille. Ouais, la lune est là-bas, elle est claire, elle est belle. Elle est belle, c'est juste le piano qui fait de la merde, il fait des feintes. Il veut m'effrayer, hein, la lune de sang, ça n'arrive jamais. Oh, il y a des monstres. Ah non, c'est pas des. Oh, c'est des gens! Des gens! Je veux les gens, je veux les gens, je veux les. Oh merde, c'était des monstres! Sur un cheval! Je me suis dit qu'ils étaient cons! Je me suis dit ils sont trop bêtes pour monter sur des chevaux. Non mais la musique ne devient pas chelou, hein. C'est le piano qui travaille, nous en faites pas. Nous sommes proches du sanctuaire. Nous sommes proches du sanctuaire. C'est le piano. C'est le piano qui travaille, il travaille ses accords. Putain, il y a des trucs de monstres, merde. En plus, putain, il fallait que je tombe sur des trucs de monstres. Alors que je sais même pas si cette lune, elle va devenir rouge, quoi. 45 minutes en tout cas, bon, on va continuer.
Donc je sais pas, parce que là j'ai le choix en fait. Soit je vais à l'annel pour continuer le truc et faire les auras. Soit je vais vraiment. Non, c'est bon, il n'y a pas de lune rouge. Soit je continue dans cette région-là et je trouve et je cherche la tour. Hein. Je vais faire ça aussi. Hein. Commence à faire un peu froid, non? Non, la lune ne sera pas rouge, en fait pas. Commence à y avoir du vent par contre. Hein. Voilà. Je suis sûr que je suis en tirer à bon prix. Et voilà, nous sommes arrivés au sanctuaire. Mojim. Allez, c'est parti. Garde optimale. Aïe, j'ai un peu mal au cou. Je pense qu'après, je vais arrêter de jouer. Épreuve moyenne de force. Moyenne, hein. Ouais, je comprends bien ta notion de moyenne. J'y crois pas trop, mais on verra. Salut toi. Oh. Alors notre gardien 3.0. Il m'a même pas douché, il est un peu con. Il va quand même me taper. Ouais, je le savais. T'as rien. Des fois, il y a des ennemis dans ce jeu, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Pomme grillée, ouais, pourquoi pas. Cinq cents. Je vais mettre une éternité à crever cet ennemi. Mille cinq cents. Saloperie. 1500 PV. C'est possible ça? Elle est beaucoup trop fort. Oh merde, non, ça marche même pas ça. T'as beau esquiver dans tous les sens, quoi que tu peux. Et moi qui me disais que celui d'à côté du château était fort. Heureusement, j'ai une hallebarde, ça va. Arme assez forte. Oh merde, c'est passé à travers, mais genre! C'est passé à travers la colonne! Putain, c'est passé à travers la colonne, c'est dégueulasse! Je pense que cet ennemi-là, on va quand même essayer quelques fois, mais. Un peu costaud, hein. Que je vais y casser ma hallebarde, mais elle a l'air solide important, hein, mais voilà quoi. D'ailleurs, j'ai peut-être des trucs plus forts. Ah non, c'est la seule. J'ai aussi le glaive hein, qui fait 20. Mine de rien, ça, je vais les garder absolument, hein, ces armes-là. Donc, je dois prendre la photo, première chose à faire. Par contre, il est très lent à faire son attaque. À mon tour. Voilà. Bon, il perd ses PV assez vite, mais c'est grâce à mon arme. Hein. Putain, il passe à travers les trucs.
C'est rien à foutre quoi des fois. Là t'es complètement contre la colonne, si jamais tu te la prends pas, ouais c'est bon. C'est bon, il a perdu le tiers de sa vie. Merci la l'arme. Hein. Oh non, sérieusement. Il a même pas perdu la moitié de sa vie, quoi. Fait chier. J'aurais pas y passer toutes mes armes non plus, quoi. What? D'où il m'a... D'accord. J'ai pas le choix. Elle n'est pas très solide. Tu déconnes. Bon, ça, il commence à faire son truc là. On va voir ça quand ça veut dire combien. Ah, oh, ça veut dire même pas. Ça lui tire au moins 50 PV, quoi. J'aurais été content. C'est bon, calme-toi. Calme-toi bien, putain, il va bientôt mourir, hein. Mais merci la fée. Parce que ce truc te tue en un coup, quoi. C'est pas des... Il déconne pas. Attends, tu me diras, il doit être tellement fort. D'avoir de telles stats. Putain, j'aimerais bien le viser un jour. Merci bouclier. Il va tout me crever, hein. 300. Putain, c'est ça quoi, t'as rien à faire. Putain, il devient chaud. Hein. Si mon bouclier se brise, je dois absolument... Peut-être que j'aurais dû utiliser mes armes de merde au début en fait. Enfin, mes meilleures armes au début justement. Et les armes de merde à la fin, parce que quand il y a moins de PV, il devient beaucoup plus dur à battre. Et c'est logique, hein. Au plus, c'est un truc, c'est une machine, donc au plus elle devient... Oui, je sais, c'est quoi l'idée de faire ça. Non. Mais non! Voilà, voilà. Voilà, tout va bien. Tout va mieux, Link. Tout va bien. Prends ton arme la plus forte de toutes. Et vas-y. Oui! Oh! Saloperie! Donne-moi ça. Ok, de garder. Est-ce que je l'ai déjà ce truc? J'ai même pas vu la couleur qu'il a, je crois. Je crois que non. Je sais pas trop. La hache. Oh oui, je veux. Oh non, 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 non. Je vais t'en trouver un. Bah lui, il est sur le point de se casser. 40. Ouais. Je vais pas prendre de photos de trucs, là. Non. Cœur antique. Des vis, des arbres, des trucs comme ça. Mais ça,
Alors, tu sais quoi? Attends, hein. Donc ça, je pense que je l'ai pris en photo. Mais ça, je vais aussi prendre les photos, du coup, j'en profite. Bouclier de soldat, je veux sa photo. Voilà. Bouclier de dévotion, de l'égide, oui. Et le bouclier est beau, là, je le veux aussi. Non! La pointe bateau, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Mais donne-moi ça du coup. Bon, ça permet de récupérer une arme très puissante, mais 1500 PV. Arc de chevalier, une fois de plus. Mais j'ai trop d'arc. En ce moment-là, voilà quoi, ça sert plus à rien. Attends, sinon j'ai quoi comme bouclier là? Parce que. Ouais. Ouais, bouclier de soldat, bah écoute, ce sera bien. Comme arme, du coup, ouais, je suis un peu redescendu dans les armes. T'as 45. Oh oui! J'aime bien parce que H de gardien 2.0 et il marque H de gardien 1.0. Ah oui, mais c'est puissance optimisée du coup. Je vois, je vois. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on va faire que des sanctuaires. Je vous le dis, spoiler. On fait full sanctuaire aujourd'hui. Et je pense que je vais prendre mon cœur supplémentaire. Je vais aller le prendre parce que oui, l'endurance encore. Un jour, faudra optimiser mes cœurs, hein. Ouais, moi je suis plus du genre à affronter Anna, hein. Évidemment. Oh, j'ai mis toute la nuit à les tuer, ces ennemis, hein. Dans un sens, il y avait la lune rouge comme ça. Et l'île toute seule, elle est là. Et elle est beaucoup plus accessible, j'ai l'impression. Visuellement, en tout cas. Bon, même si en fait, voilà quoi. Ça va être très loin. Si jamais je n'arrive pas à cette île, bah merde, hein. Merde. Ta-da-na-na. Je pense que j'y arrive. Oh oui, j'y arrive. Et voilà. Chassou Keta. Il y a des trucs. Waouh! Il y a des ennemis. Mais non, fais pas un selfie, petit con! Bon, ça va encore être un sanctuaire qui est beaucoup trop ardu pour moi, je le sens. Déjà, mes trucs à des stats 26 et 20, quoi, ils sont passés. Peut-être que j'ai été con d'utiliser ce truc. Et... Oh non! Bon, je vais pas le finir, c'est certain. Mais je veux juste voir la gueule qu'il a. Juste voir la gueule qu'il a. Il y a deux épées en plus. Bon, donc, montre-moi ça. 4 points. Ils ont combien de versions, en fait, ces trucs? Parce qu'à un moment, j'aimerais le savoir. 3000! Oh, vous êtes fou! Ah, mais vous êtes fou! Ah, mais vous êtes fou! J'ai même pas tiré le 30e de sa vie! Oh, vas-y, tant que j'y suis, on va utiliser ça, hein! Ah, vas-y! Par contre, il n'a pas de bouclier. Non, 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 non! Il m'a tiré la moitié de ma vie seulement. Ah, il me tire 60 PV d'un coup à chaque fois par contre. Ouais mais tant pis. Hein. Non non non, ce sera plus tard celui-là parce que là... Putain, je me disais encore, j'espère que ce sera pas une épreuve de force mais... Tu sais quoi?
On attendra avant de faire celui-là, hein, voilà. T'as ce sanctuaire de Lille qui me nargue depuis si longtemps. Je ressors, je ressors, hein, je m'en vais, je m'en vais. Tant pis, hein. Je dis tant pis, je reviendrai lorsque j'aurai plein d'armes à puissance 40. Voilà. Bon bah du coup. Ah, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, je sors. Un jour, je saurai même plus c'est où le plateau, quoi. Je pense que j'ai assez d'emblèmes de triomphe, hein. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est bon. Parce que là, ça fait 1 heure. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là tout doucement. Quoique, je me connais, on va encore continuer un petit peu. Évidemment. Faudra s'en souvenir, hein, de ça. Et voilà. Finalement, mon armure m'a coûté une fortune, je suis dégoûté. Maintenant, elle est complètement useless. La prochaine fois qu'on tombe dans un village, je vous le dis, je vais pas acheter les armures. Voilà, je n'achète rien dans les villages, je n'achète plus rien. Combien les emblèmes? Et du coup là, voilà. Lui je l'ai pas. Lui je l'ai pas. Épreuve extrême de force. Et là c'était combien? Basique. Ah c'était basique. Hein, ouais. C'était basique. C'était tout basique. C'était basique. Basique. N'empêche, si j'étais tombé sur la version 3.0 là près du château, j'aurais paniqué. Hein. Donc même à côté du château, quoi, c'est pas les trucs les plus retors, c'est un peu bizarre. C'est vraiment les endroits les plus reculés, quoi. Donc vas-y. Oui, c'est bon, j'en ai 5, oui. Donc, un cœur en plus. Allez hop. Réceptacle de cœur, voici. Comme ça, on en verra un. Oh, réceptacle de cœur. Regardez, il est tout mignon. Parfait. Et voilà, un cœur en plus. Bon, et maintenant? Si on se dirigeait vers la... Oh, mon dernier gamma vert date de là. Ah bah oui, vu que j'ai fait toujours des saves et tout. Si on tentait de trouver cette tour qui est là-bas. Maintenant, j'ai aucune idée d'où elle peut être. Et vu que c'est une région assez montagneuse, ça risque d'être assez compliqué. Quoi, j'ai trouvé 13 sanctuaires, mais voilà, quoi, je les ai pas tous finis. Il y en a deux que j'ai pas finis, donc j'en aurai 15 en fait, en théorie. Mais bon, il y en a un, l'énigme, je la comprends pas, et l'autre, je suis pas assez fort, clairement, pour le faire. J'ai surtout pas assez d'armes cheatées pour le faire, voilà. C'est ça. C'est ça le petit truc. C'est ça le petit truc. Bon, est-ce que je devrais aller vers ces montagnes pour tenter de voir la tour? Je pense qu'on va y aller. Du coup, non, 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 non. Du coup, je pense qu'on va. Oui, on va se faire un petit peu de. D'exploration, vas-y. Parce qu'il avait pas, il était pas censé avoir des ennemis pas loin. Un truc du genre. Oh si! Je le sens là, vous voyez. Vous voyez là-bas, il y a un territoire ennemi. Et elle est bien gardée. Sauf qu'ils ne s'attendraient. Ils ne se sont. Ils ne s'attendaient jamais.
Ah merde, l'arc de sodome va bientôt se casser. S'attendait jamais à tomber sur quelqu'un qui serait sur le crâne même du repère. Déjà, il n'y a plus de garde. Donc ça, c'est bien. Ah, quoique. L'arc s'est cassé, mais c'est pas grave, j'en ai assez. J'en ai assez d'autres. Et ça met longtemps à casser ces conneries, hein, mine de rien. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Wow, il y a l'air d'en avoir des ennemis. Ça montre des choses qu'on peut dire. Ça, je l'ai déjà. Je vais enfin en prendre un, voilà, histoire de d'en prendre un, parce que mine de rien, j'avoue que niveau des arcs, je suis un peu dans la merde. Flèche en bois. Allez, là, ta carte, je me disais aussi. Je demande si je peux pas. Je demande tout ce qui se passe, mais c'est pas très grave. Waouh! Ouh! Oui. Oui, vous allez tous crever. Par contre, pourquoi j'ai un zoom plus gros là? Ils sont tous morts dans la fausse souffrance. Pas merde! Il y a encore des survivants. Tiens, tu vas regretter d'avoir survécu. Oh merde, ils deviennent plusieurs, ils deviennent plusieurs. Ça devient sérieux. Peu importe. Je déteste quand on m'attaque à plusieurs. Je trouve ça totalement déloyal, je tiens à le dire. Pas. Encore vivant? Toujours vivant! Rassurez-vous! Bah, c'était Renault ce moblin finalement. Toujours vivant! Rassurez-vous! Enfin, ce beau gobelin. Mais bon, peu importe. Oh merde! J'avais bien commencé la tactique et j'ai tout raté! Je suis frustré. Maintenant, je reprends le sanctuaire, j'imagine? Non. Si. Ah non. Tout le monde se demande ce qui s'est passé, mais tout va bien. Se demande tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Une technique élaborée. Je pense que la dernière arc fait que tout se brise. Pouf! Ça s'est cassé. Ça s'est cassé. Peut-être qu'aussi que si j'avais utilisé des armes plus puissantes contre ces cons, je m'en serais sorti. Mais bon. Ouais, bon, les arcs, je m'en fous. Par contre, pourquoi mon viseur est devenu plus précis qu'à l'époque? Vite, vite, vite. Il y a tellement tout le monde qui est mort. Non, je vais faire les tours de l'autre côté, du coup. Donc là, il n'en reste plus beaucoup, hein. Il ne reste plus que 3, finalement. Tout le reste est mort, hein. Comment pourrait-on penser que 3 ennemis de merde puissent me poser autant de problèmes? Et ils rentrent comme si de rien n'était. C'est vraiment débile, hein. C'est pas que si vous. Si que s'ils sont morts, là, vos compagnons, c'est que. Il y avait quelqu'un?
Il m'a pas vu, il était amnésique, il est amnésique, enfin il est bigleux, il est myope. C'était myope man, ah non merde. Voilà, je dois prendre ça. Et là je peux faire ça. Et là tu sais quoi, je pense que je vais me permettre de prendre une arme un peu plus puissante qui pourrait casser vite, voilà ça. Donc il y en a des qui m'ont vu. C'est vraiment le mode rien à foutre, hein, quoi, des fois. Putain, il faut tout recommencer depuis le début. Seulement j'avais l'une de leurs armes. C'est une épée de soldat qu'ils ont à tous les coups. Putain, mais en fait, j'ai l'impression que tu vois, y a les ennemis. En fait, mon corps en plus ne sert strictement à rien, hein. Putain, c'est bien ce qui me semblait, quoi. Les ennemis, en fait, te font un coup, mais c'est un coup. En fait, ça ne te tue pas en un coup. C'est fait exprès pour te mettre aux portes de la mort, quoi. J'aurais faire des sauvegardes à certains moments, comme ça va m'éviter de faire les trucs, parce que ça commence à me faire chier, mine de rien, de toujours tout refaire. Quoi, est-ce qu'on va vraiment partir en quête de la tour aujourd'hui? Je pense qu'on fera juste ce repère, hein. Bon, ça c'est la bonne tactique pour... Ah oui, pour l'approche du départ, ça j'en suis sûr. C'est quoi? J'ai... Tant qu'à faire, je vais m'équiper de cet arc-là, parce que voilà. Oh, les flèches de feu sont tellement... Non, c'est pas possible, sérieusement! Retourne chez toi! Putain, ils sont... Vous êtes vraiment des... Vous me stalkez, quoi! Arrêtez de me faire chier, voilà, cassez-vous! Cassez-vous, il monte là-dessus. Voilà, merci. Ne fais pas l'handicapé. Putain, t'es sérieux qu'il ne veut pas s'accrocher là? Ou pas? Mais là, c'est bon pour marcher, non? Ah, là, c'est bon pour marcher, là, voilà. C'est bon. C'est ce qui me semblait. Du-du-du-du. Oui. Je vais faire ma save. Putain, maintenant je peux plus les avoir par surprise, évidemment. Parce qu'ils se méfient. Allez, retournez dans votre cachette, la bande de cons. Allez, retournez-y. Allez, hop. Allez. Ils vont pas y retourner, hein. En tout cas, il y en a certains. Et genre, l'explosion, il les tue pas en un coup, quoi. Genre, eux, les noirs, ils sont vraiment très solides, quoi. C'est incroyable. En tout cas, ils sont intelligents, ces cons, hein. Bien sûr, ça a raté. Ça a raté. Bah, ils sont tous là maintenant. Voilà, enfin. Et toi? Il m'a même pas vu. Quel handicapé. Ils en ont rien à foutre, quoi. T'as une arme de... J'ai limite envie de faire ça. Je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes, saloperie. Putain, même avec ça, quoi, ils s'en foutent. Impossible. Bon, au moins j'ai ma save. Au moins j'ai ma save. Mais oui, il faut que je refasse le truc à l'intérieur et tout.
J'ai l'impression qu'ils sont très très forts en fait. J'aurais pas du tout être ici, j'ai l'impression. Mais pas du tout. Mais le genre pas du tout, c'est vraiment le genre pas du tout. Alors ça c'est bien parce que du coup, le jeu en rechargeant les a tous remis dedans en fait. Et ça m'arrange. Je n'ai rien vu. Donc on va... Mais putain, c'est... Genre... Ouais, bah non, ça a quand même... Non, non, c'est bon. C'est bon. Hein. Tu sais quoi? Voilà. Hein. Je vais pas me... Non, non, hein, je... Je vais pas tous me les taper, c'est bon. Hein. C'est déjà assez pénible comme ça. Ce qui est bien, c'est que ça gaspille pas d'endurance de faire ça. Donc je peux vraiment faire ça comme ça quand je... Par contre, cette lance, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est pas possible. J'aime bien la musique à côté, toute calme. Alors qu'il y a des grosses explosions de partout. Par contre, la hache, j'avoue qu'elle est pas très maniable. C'est une hache, quoi. Donc ça fait très chier d'avoir une arme pareille. Et là, je fais une save de nouveau. Ah non, mais j'ai vraiment plus envie de me taper des trucs. Voilà, quoi. En fait, il faudrait que je les attire un par un, quoi. Mais le truc, c'est qu'ils viennent tous en même temps. Ils sont pas bêtes, hein. Et voilà. Épée de chevalier, bah voilà. Et j'ai enfin une épée digne de ce nom. Bah oui, enfin une épée digne de ce nom. 26, voilà, ça j'aime. J'aime ces armes cheatées comme ça. Tu m'as vu? Tu m'as vu? Tu m'as pas vu? Hey, regarde! Non. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il est considéré comme connu ou... Non, non, il est connu, c'est un beau gobelin noir, il est connu. Ah, évidemment, tous leurs trésors, par contre, ont des pop, hein. T'es tout seul? T'es tout seul, mon gars. Quel dommage. Ça change d'être tout seul, hein. Aïe. Tiens, salaud. Je vais enfin avoir ce trésor. Par contre, ton arme m'intéresse énormément. Voilà, et c'est bien, au moins on n'a pas la description qui dure pendant 10 ans. Et là, voilà, j'ai de quoi. Je suis solide. J'ai de quoi survivre. Une lance de tout ça pour ça. Alors qu'ils ont des armes plus puissantes. Je ne comprendrai jamais ce jeu. Bon, je vais ramasser de ça. Pour récupérer le truc. Qui a exactement la même. Pour récupérer la même arme. C'était parfaitement inutile, tout à fait. Par contre, cette épée, je l'aime bien. Voilà, on reconnaît à la lame, c'est une épée de chevalier à coup sûr. Et j'aime bien cette épée-là, je vais m'en servir d'ailleurs. J'en ai plusieurs, autant en profiter, j'en ai trois. Elles font 26 de puissance. C'est parfait. Bon, est-ce que je vais vraiment, voilà, dans les montagnes, en quête de la tour? Allez, vas-y, on va quitter la tour. On y va. On y va. Au pire, si jamais vous trouvez les vidéos trop longues, je vous le dis toujours, mais regardez en plusieurs fois, bordel de merde. Non! Pitié, pitié le jeu. Mets-moi une save pile avant. Parce que sinon, je ne vais pas le supporter. Mets-moi une save pile après que j'ai pris le trésor, sinon je vais pas aimer. Me faire tuer par une chuchu, quoi. Oui, c'est bon. Oh, ça l'a compté. C'est bon. Par contre, le jeu, il m'a mis où? Ouais, est-ce qu'il m'a compté, là? Parce que des fois, voilà, quoi. Genre le bouclier à pointe Buko, c'est une des dernières armes quoi.
sais pas s'il me l'a compté ou pas, je la vois pas en tout cas. Putain, il faudrait mettre. Bon, tu sais quoi, je vais quand même regarder. Hop, hop. Parce qu'à mon avis, c'est à partir du moment où j'ai pris le trésor, voilà, c'est ça. Voilà, bon, les photos sont pourries, mais peu importe. C'est dans l'encyclopédie, moi quand c'est dans l'encyclopédie, je suis content. Donc c'est là que je suis mort contre ces monstres de merde. Donc ils étaient là. Ils ont surgi. Eh ben attendez, vous allez voir. Et évidemment, ils reviennent plus, hein. C'est toujours comme ça. Alors là, j'appuie de temps en temps, j'ai l'impression que je vais plus vite en faisant ça. Mine de rien. Mais ça gaspille un tout petit peu l'endurance, mais voilà, quoi, pas... Voilà. Où est la tour? Ouais. Ah non. Voilà. Ah, c'est bon. Maintenant, j'ai compris. Hein, tu ne m'auras pas. Tiens, voilà, meurs en un coup. C'est tout ce que tu mérites. Du coup, ce truc-là, je l'avais. Hein. Ouais, je l'ai. Non, mais... Ce truc, putain, tiens, meurt pas en un coup. C'est pas possible. Saloperie. Je vais te tuer à l'épée, moi, tu vas voir. Ah, il y a un sanctuaire pas loin. Bien, ça, bien. Et ça, c'est les monstres, vraiment. Par contre, je vois pas le sanctuaire, il a... J'ai beau être en hauteur, je ne le vois pas. Où il est lance. Oh oui, il est là. Il est. Oh, il y a un village, il y a des trucs, il y a des maisons. Bon, ça, je le pointe. C'est pas si bien que ça. Mais la tour. C'est pas ça la tour. Non, ça c'est pas la tour. C'est pas ça non plus. Où est la tour, bordel de merde? Oh. Où est la tour? Parce que moi je cherche la tour. Il y a l'air d'avoir des trucs de monstres par là, mais... Par ça. Attends, tu me diras, c'est tellement grand, putain, vas-tu trouver cette tour là-dedans? En plus, là-bas, je m'approche de... Non, non. Il faudrait que j'aille par là pour continuer mon exploration. Ah, c'est ça, quoi. La tour est forcément là-bas. Mais là, pourtant, tu me diras... Là, c'est la mer, hein. Donc j'espère que la tour est pas au milieu de l'eau. Là-bas, il y a quoi? Là-bas aussi, il y a la suite de la région. Hein. Il y a de quoi faire. Tu peux aller dans cette montagne là-bas pour voir. Mais... On sait jamais. Bon, le sanctuaire, il est là. Mais au cas où ce soit une épreuve extrême de force, voilà quoi. Je l'ai balisé. Hein, je l'ai balisé, voilà. Donc on verra plus tard, si jamais. Non, 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 oui, on se balade, hein, clairement, on ne fait pas de... La quête principale, voilà, ils me disent d'aller dans les quatre points, mais apparemment le premier serait vers les auras, mais là, je suis directement parti pour faire autre chose qui n'a rien à voir, parce que dans la même occasion que je suis tombé sur les sanctuaires, je me suis dit, pourquoi pas faire la tour de cet endroit-là aussi? Je crois que je vais escalader cette montagne. Ouais, 1h23, je crois qu'on va s'arrêter un jour, ne vous en faites pas. Mais c'est tellement prenant. C'est tellement difficile de s'arrêter. Incroyable. Voilà, récupère un peu l'endurance ici. Ça se trouve, là-haut, on va trouver un truc incroyable, hein. Une maison, une vieille ferme. Non, 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 mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Putain, il a plus d'endurance, ce con. Voilà, trouve au moins ça. Voilà, un truc, une roche. Putain, ça c'est pas facile par contre. Mais pourquoi il glisse? Quoi? Pourquoi tu glisses, connard?
Link! Il pleut ou quoi? Ah oui, il pleut. D'accord. Oh putain, c'est pas possible. Ouais, ça me le fait à chaque fois, quoi. Putain, tu veux pas... Ça te dirait pas de t'accrocher. Bon, écoutez, on va contourner la montagne en attendant qu'il fasse un temps de merde. Non, non, mais n'escalade pas! Pourtant, il n'y a pas l'air de pleuvoir. Mais où est la tour? Parce que je la vois pas, normalement, la tour, c'est assez grand pour être visible. Non, tu me diras, avec ces grosses montagnes, j'y vois rien du tout, hein. Ouais, mais genre, c'est bon, là, faut arrêter de grimper à tout et n'importe quoi, hein. Je suis presque au sommet. Oh putain, il fait encore du temps de merde. Non! Ne, tu ne veux pas t'accrocher, Link. Tu veux pas rester en place. Non? Non, mets-moi là, mets-moi là, mets-moi là au moins, mets-moi là, voilà. Putain, il me repère encore un sanctuaire ou bien c'est celui de tout à l'heure? Non! Tant de merde. Et pourtant, il fait beau. C'est ça le plus hallucinant dans l'histoire, quoi. Il fait beau. Putain, je vais clairement pas m'arrêter là. Je suis quand même escalader. Je suis quand même tenté de... Ah non, c'est trop... La porte est trop abrupte de ce côté. Quoique... Là, je peux... là il se met. Là, il se met. Il y a pied, là. Hein. C'est pas trop une grosse pente, hein. Ne te fous pas de ma gueule, hein, Link. Au bout d'un moment, voilà. Voilà. Nous avons ici. Enfin, à chaque fois que je monte un truc, je vois qu'il y a un autre truc qui monte un peu plus. Qu'est-ce que c'est que cette région? Putain, j'y vois tellement. Il fait tellement un temps de merde que j'y vois rien. Ce sanctuaire est là-bas, mais. Où est la tour? Est-ce que la tour serait... En tout cas, ça a l'air d'être un truc... Ah, la tour, je la vois, enfin! Elle est là-bas! Je l'ai vue! On dirait un truc avec des palmiers et tout. Est-ce que ce serait le désert Gerudo, un truc... ou une affaire ainsi? Montre-moi ça, c'est où? Ah, c'est clairement en bordure de... Ah, merde! Ah, c'est clairement là-bas, quoi. Non, la lune de sang, c'est pas la lune de sang, vous en faites pas. Il mente, la lune de sang ne viendra jamais. Par contre, il fait tellement brumeux, quoi. Quel est cet endroit? Quel est cet endroit? Et ce... Ah, ce soleil! T'as perçant, quoi. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette texture bizarroïde? Il y a un sanctuaire pas loin, en tout cas, encore. Quelle est cette texture bizarre? Est-ce que je veux vraiment gaspiller mon épée pour ça? En tout cas, si les ennemis les plus merdiques du jeu me tuent, je m'en souviendrai. Hein. Il y a un sanctuaire pas loin. C'est pas une blague. Putain, ça a l'air d'être un truc de... d'oasis, clairement. Ils me disent qu'il y a un sanctuaire pas loin. Putain, oui, il y a tellement de régions différentes. Oh, c'est tellement impressionnant. Non, non, mais non, c'est pas la lune de sang, non, c'est pas... C'est juste la nuit qui tombe, c'est pas la lune de sang, vous savez pas. C'est quoi cette ennemi à 120 PV, là? Qu'est-ce que c'est? Waouh! Les Alphos bleus, une nouvelle variante. Ça fait plaisir de te voir. Enfin, ou pas. Ah, évidemment, il va se faire aider, hein, il est pas tout seul. Évidemment, ça, je m'y attendais. Je vais gros comme une maison qu'ils allaient pas. Putain, au moins dans ce jeu, les ennemis, voilà quoi, ils font pas la queue. Ils font pas la file, hein, ça c'est clair. Hein.
C'est quoi cet ennemi? Par contre, je récupère toujours des trucs. Bon, le truc, c'est un... Ouais, massue à pointe, je m'en fous un peu. Quoique, je peux toujours la prendre. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Les crocs, ils valent beaucoup, hein, donc... Toujours prendre les crocs, ça fait un bon prix. Si seulement je pouvais tomber sur le village Gerudo, du coup. Les Gerudo, par ici? Ah, il m'a dit que le sanctuaire est là-bas, quoi. Mais est-ce qu'il est au-dessus de cette... de ces cascades, ou bien est-ce qu'il est en dessous, quoi, en mode rien à foutre? Je sais pas. Je sais pas, en tout cas la tour est là-bas, il vaut mieux ne pas perdre trop de temps. Il y a deux tours qui ont l'air de suivre. Ça ferait un grand coup là. Pour le coup, évidemment. Le truc c'est que j'y vois rien, quoi. Bon, lune de sang, non, hein, c'est pas lune de sang, vous en faites pas. Je vous l'avais dit, hein. C'est des fois la musique qui devient plus sinistre pour vous faire un peu peur. Sinon c'est tout, y a rien d'effrayant, hein. 1h30, c'est bon, on va s'arrêter un jour, j'aime bien faire de... Enfin, finalement, ma session bonus, voilà quoi, c'est ça. C'est ma session bonus. Pont de Faroria. Putain, je découvre tellement des trucs. Oh, il y a quelqu'un! Et là, il va me dire quelque chose et ça va me dévier de la tour. C'est quoi ça? Ouh, quoi? Quoi, qu'est-ce que... Ouais bah... Voilà. Ah non, elle est revenue! Mais non, pas de selfie maintenant! Je l'ai bon, je l'ai bon, je l'ai... Ah non, je l'ai pas. Je l'ai. Je l'ai. Bon, je l'ai par contre. Vu que t'as un ennemi un peu plus sérieux que les trucs de merde, si tu permets, je vais quand même t'éliminer un traitement digne de ce nom. Il y avait de l'argent! De l'argent. Des bananes. Mais non, ils avaient de l'argent! Mais qu'arrête de faire ça! Ah, je suis mal en point. Je suis tombé du pont. Mais qu'arrête de faire ça, putain, qu'est-ce qu'il fout, il bug ou quoi? Je vais mourir, je vais me noyer. Ah, l'aide. Bah, tu y es presque, idiot. Ne meurs pas. Mais c'est bon, j'ai repris au sommet du pont, au moins. Qu'est-ce que c'était que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ça? Une serpe? Serpe coupe-gorge, mon dieu. Je la prends, mais c'est quoi? 26-16, j'avoue. Mais j'ai trop d'armes. Bon, c'est pas grave. Voilà quoi. C'est bon. C'est bon? Je m'avance vers la tour là? Ouais, je m'avance vers la tour. Non, pas du tout en fait, je recule. Des gigas, hein. Par contre, attention, la région a l'air dangereuse. Chelou. Ouais. D'accord. Il n'y a pas l'air si loin ce village apparemment. Avant que vous soyez complètement con. Et que... Ah, un village. Un village, un village. Ah, ou pas. Relais du lac. Il y a un lac ici. Oui, j'ai une carte. Au nord sont les monts Géminés.
Oh non, c'est les bons géminés, j'avoue, hein, mais. Putain, il y a un relais ici. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que. C'est quoi ça? D'accord. C'est pas grave, c'est normal. C'est normal dans Zelda. Un branche d'arbre, oui. Village des Caraïbes se trouve là-bas. Putain, mais je m'en serais rendu compte s'il y avait un village par là. J'ai raté un village. Mon Dieu, je suis tellement con. Je suis tellement con que ça. En tout cas, je ne me dirige plus vers un sanctuaire. Attends, c'est un sanctuaire à côté du relais, j'aimerais quand même l'activer au moins. Peut-être pas le faire, mais au moins l'activer, quoi. Cas, ça fait plaisir des fois de voir que le PC arrive à tenir si longtemps ce jeu, et finalement il aime bien ce jeu, ce PC, je crois. Ouais, ça a l'air beaucoup trop abrupt pour moi, abrupt, évidemment. Ouais, tellement impatient. Ouais, bon, tant pis. Laisse tomber, laisse tomber. Oh, donne-moi ça, les régimes de banane. Voilà, c'est une banane, ça se voit, ça se voit. Du coup, là-bas se trouve un sanctuaire, vraiment. Sans déconner, hein, mais. Mais là-haut, on va monter là-haut, hein. Est-ce qu'il est là-haut? Ça se trouve, j'arriverai peut-être à monter en haut de cet arbre. À partir de là, je pourrais peut-être tenter de monter le truc, mais à part ça. Ouais, je pense que ça devrait faire l'affaire. Même si c'est extrêmement lent. Bon, ça va aller. Enfin, j'espère. Allez, pitié, please, faites que j'ai pas fait ça pour rien. Et please, donne-moi mon sanctuaire qui est là, sinon. Oh, je vois quelque chose. Oh, je vois. Oh, il n'y a pas de sanctuaire. Oh, je vais pas aimer. Non, peut-être que mon sanctuaire est là-bas. En tout cas, j'ai trouvé un truc, hein. C'est le relais du lac. Il y a un lac par ici. Attends, tu me diras, il fait tellement brumeux que j'y vois rien du tout. Il y a peut-être genre une fée par ici. Hein. Bon, il est où ton sanctuaire là? C'est bien beau de me donner un sanctuaire là, mais. T'as arrêté de me faire chier au bout d'un moment. Putain, j'ai monté ça pour rien. Putain, il y en a un quelque part par là, mais vas-y pour le trouver. Hein. Bon, la tour, allez hop, la tour, on a assez perdu de temps comme ça. Ça fait depuis 30 minutes que je vous dis on va à la tour. 30 minutes que je fais des conneries à la place. Ce serait bien quand même un moment d'y aller. Un jour. Ce serait bien de tenir ses promesses. Oula, ça sent l'attroupement de monstres. Oh oui! Bah, je vais pas y aller. Je vais pas m'y frotter. Même je te dis. Attends, il y a une autre tour là-bas. Allez, base-lise-moi ça. Voilà, comme ça j'ai la position des différentes tours au moins. Là, il y a un sanctuaire que je dois aller faire. Il y en avait un à côté du relais du lac, mais je l'ai pas trouvé. Donc ça me fait des choses à faire, tout ça. En tout cas, est-ce que c'est vraiment les Gerudo ces trucs ou bien c'est. Oh, il y a un. Il y a un truc là, un truc de merde. Un sorcier électrique. Une fleur lame. Putain, j'avoue, je cuisine jamais en fait dans ce jeu. Putain, je te parie qu'il faudra le battre quand même. Faire une save avant parce que je sens qu'il va me tuer en un coup.
Ou bien je peux l'esquiver. Bon, c'est bon, cette tour va être beaucoup trop haute pour moi. Parce que c'est oui, c'est beau d'avoir d'atteindre les tours, mais il faudra encore les. La tour de Firon. Y a quelqu'un? Non. Ah, il m'a vu. Bon. Laisse tomber. Arme de jet. Bon, électricité, c'est forte contre. C'est quoi la faiblesse de l'électricité? Je ne sais pas. J'ai dit totalement il est où? Non, s'il fait des trucs qui servent à rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'en rends un coup ou bien. D'accord! C'est plutôt moi qui me rends un coup. Et je me suis fait électrocuter. Je vais lui faire une flèche électrique, oui, bien sûr. Par contre, je fais comment pour aller dans les premiers trucs là, parce que c'est beaucoup trop haut. Les trucs sont de l'autre côté. Je monte. Tu veux que je monte comment là-haut? Peut-être en me servant de cette. Ouh, d'accord. D'accord, calme-toi bien. Montez la montagne. Montez la montagne. Non, mais c'est bon, oublie-moi au bout d'un moment. Hein. Oublie que j'existe. Oh non, c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Non, mais c'est quoi ces ennemis? Mais calme-toi bien! Et vous là, qu'est-ce que vous foutez là? Mais foutez-moi, laissez-moi juste prendre ma tour! Je peux la. Mais. Laissez-moi prendre ma tour, bande de. Là, bah, je peux enfin monter de là. Mon dieu, cette région! Je la retiens comme la région la plus casse-couille, quoi. Non, avant d'en avoir d'autres, bien sûr. Non, c'est beau, ils sont trop loin. Oh, abandonné, abandonné, de trop loin. Bande de cons. Vive le surplus d'endurance en tout cas. Maintenant j'arrive ici. Là, la tour est juste là. Ah ouais, le jeu commence à avoir du mal en plus, donc je pense qu'il va être temps d'arrêter. Quoi? Oh, c'est juste un truc. La nature sauvage. Oui, mais tu peux monter plus haut que ça, non? Voilà, c'est ça, quoi. Putain, c'est quand même haut, hein? Putain, mais qu'est-ce qui vous a pris de faire des montagnes aussi hautes? Vous étiez. Bon, je vais peut-être pouvoir y aller. Mais je garantis rien. Parce que la plante est. La plante, la pente est droite! Mais droite fixe quoi. Peut-être que je pourrais m'accrocher à avoir pied ici, c'est un peu plus. Ouais, non, ça m'étonnerait. Ah non, ça m'étonnerait que j'arrive au sommet là. Attends, comment tu veux que j'arrive au sommet de ça? Pas possible. Ah, faudrait que je contourne les montagnes et tout, c'est ça que tu vas me dire? T'es sérieux le jeu? Bon, quitte à savoir qu'on va merder, voilà. Voilà, on va pouvoir passer par ici. J'aurai enfin cette tour. Hein. C'est la jungle en fait, là. C'est peut-être pas tellement les Gerudo que ça. Hein. Putain, il y a une chaîne de montagnes ici, c'est impressionnant. Et quand je me dis que ça n'a peut-être rien à voir avec les. Avec les montagnes des. D'Ordine ou quoi. Si je vais là-haut, je pourrais peut-être rejoindre la.
J'élabore des ruses pour tenter d'approcher la tour. Je vous ai dit qu'on ferait cette tour aujourd'hui. Nous la ferons aujourd'hui. La tour est là-bas. Et la suivante est tout là-bas. Ça, moi, je pointe vraiment toutes les tours. Oh, c'est tellement loin. En fait, on va faire le tour du royaume, on va avoir toutes les tours, hein. C'est vraiment ce que j'avais dit qu'on ferait, en fait, hein. Je ne vous mentais pas. Je ne vous mentais pas. Cette tour, je vais enfin la voir, je crois. Donc, c'est le truc comment? C'est la balise de quelle couleur? C'est la bleue, je crois. Bon, donc, est-ce que ça. Oh, au pire, je pourrais monter par là. Ouais, tiens, ça a l'air tellement loin. Hop, et de là, je suis à un point assez haut. Oh oui, c'est pas dégueulasse. Oh oui, c'est pas dégueulasse. J'apprécie. Oui. Oh non, 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 vous n'avez pas gâché ma découverte de cet endroit. Allez mourir. J'ai tellement de gelée chuchu, je pourrais tellement tout revendre et me faire blinder de pognon. Et j'ai trouvé un korogu en plus. C'est formidable. Et voilà. L'assaut de la tour. Nous allons la voir, cette tour. Je vous le. C'est où? C'est un champignon, tout ça pour ça. Ils ne sont pas encore des champignons par ici? Wow. Ah non, c'est pas la tour. Ah si, c'est vraiment la tour. Bien. Eh bien, vous savez quoi, ce que je vous avais promis, on va enfin le faire, je crois. Il est temps de prendre d'assaut cette tour maudite qui me nargue depuis tout à l'heure. Par contre, cette tour, oui, c'est pas du tout un point stratégique en termes de hauteur. Hein, c'est. Tour, je te retiens pour être l'une des plus chiantes. Mais aussi l'une dont l'entrée aura été la plus what the fuck de toutes. Et voilà. Ah, je vous l'avais dit, on l'a fait. Donc je pense que la prochaine fois, on va continuer notre petit tour en gros d'Hyrule, et on va aller s'activer les autres tours, hein, tout simplement. Et au passage, il y a des sanctuaires, je les note. Pire, j'irai faire les sanctuaires et après je me re-téléporterai ici. Pour partir à la suite. On peut tenter de faire ça. Peut-on faire ça. Donc les parties ici, ça va surtout être, voilà quoi, on va surtout tourner pour examiner les rues et tout, tout, vraiment tout débloquer hein, dans le jeu. Ah ouais, il y a de ces montagnes. D'accord. D'accord, en tout cas ça fait un grand Hyrule. C'est. Bande de cons. Du coup, cette balise. Nous pouvons là. Ah bah j'ai déjà retiré cette balise, d'accord. J'ai encore deux balises, d'accord. Donc là j'ai un sanctuaire. Je vais devoir aller le faire. Là j'ai une tour. Et là j'ai l'autre tour. Donc j'ai déjà ces deux tours là. Je pense qu'on va partir à l'assaut de ces deux tours là. Plus le sanctuaire, ici on trouve des sanctuaires sur la route. On va pouvoir les faire, genre ici. Paf! Je vois un magnifique sanctuaire à faire. Voilà, juste là à côté, ce sera peut-être notre point de départ, je crois. Le sanctuaire qu'il y avait tout à l'heure, là près du relais, je ne sais pas, il est où. Je dois regarder par là, c'est ça? Je ne le vois pas. Hein. Je ne le vois pas. Plateau du Bot, lac Magir, pas, ma la pas lac magique. Et c'est quoi le nom de la région sinon? Ça n'a pas vraiment de nom, c'est la mer. Le plateau de Coccolith, évidemment. Oh mon Dieu.
Vous imaginez les pauvres enfants qui doivent étudier la géographie d'Hyrule? Ils sont pas rendus, hein. Et il est où le lac Ecorcia finalement? Le village d'Ecorcia? Bonne question. Oh, regardez-moi ça! Petite fontaine en forme de cœur. Peut-être qu'il y a une fée là-bas, qui sait. Donc voilà, écoutez, on a découvert tout ça d'Hyrule. Ça fait vraiment beaucoup, hein, on va dire ça comme ça. Et on a encore tellement à découvrir là-bas, vous voyez, la carte de ce monde qui nous attend. Donc on va faire ça la prochaine fois, on va aller à l'assaut de ces deux tours-là, en faisant donc au passage ce sanctuaire-là avant de partir à l'aventure, et celui-là pour avant d'aller vers la tour. Et là-bas, on ira vers la tour, on verra bien comment ça se présente. Écoutez, ça fait depuis trop longtemps que j'enregistre cette vidéo-là, en tout cas. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter comme d'hab. Et je vous retrouverai donc bientôt, prochainement, pour la prochaine vidéo. Voilà, avec ce Link magnifique. Ce Link en mode. Ce Link qui va peut-être mourir. Voilà. Bon, par contre, la tour, voilà quoi. C'est peut-être pas top d'y être, vu qu'elle fera surtout, elle va surtout attirer la foudre. Donc. La prochaine partie, ce sera, je sais même plus, vendredi, c'est ça? Oui, c'est ça, ce sera vendredi. Ce sera la partie 10, je crois, de l'aventure, hein, déjà, mine de rien, le temps passe si vite. Du coup, ce sera la suite de Breath of the Wild. À ce moment-là, on va encore un petit peu explorer Hyrule. On va pas continuer la principale de suite, on va explorer des nouvelles régions. Les sessions bonus, je les ferai pour revenir sur des trucs qu'on a déjà explorés. Genre là, je reviens dans cette région pour explorer un peu plus en détail, en session bonus, mais tant qu'il y a des nouvelles choses que je découvre, je préfère tourner des nouvelles parties du Let's Play. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je viens de le dire, mais n'hésitez pas à aimer, à commenter, voilà. Bonne journée, soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et on se retrouve vendredi pour la suite de ce jeu, mercredi pour la suite d'une autre série en cours. Et. Ou bien plus tard, ou plutôt pour une session bonus ou quoi, ou autre chose, je ne sais pas, si jamais il y a de nouveaux concepts qui sont inventés d'ici là, on verra bien, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette vidéo s'arrête ici, depuis le temps, vous me direz, il est temps, et donc, je vous dis à la prochaine fois, et pourtant, on a, ce qui est fou, juste pour finir, c'est qu'on a joué près de 2 heures, et j'ai l'impression pourtant de n'avoir rien fait, alors qu'au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quoi? On a fait des sanctuaires, des nouvelles tours et à part ça, voilà quoi, on a fait ça en fait, c'est pas très compliqué, ça fait pas beaucoup je trouve en fait, mais voilà, on va dire ça comme ça. Bon, allez, j'arrête la vidéo là avant de commencer à dire n'importe quoi totalement, et je vous retrouverai donc la prochaine fois suivant la vidéo que vous souhaiterez voir en ma compagnie. Allez, salut!